Et il est toujours derrière lui. Ça c'est moins cool si je défonce ma voiture tout seul aussi. Plus tu détruis de bagnole et plus il y en a encore. Descendre de ma voiture. En fait, ça sert à ça de pouvoir réparer sa voiture à l'instant. C'est de pouvoir ne pas à chaque fois être obligé de repousser les mecs. Parce que ton petit bossu là derrière, il peut réparer la voiture, mais il peut la réparer quand t'es à l'arrêt. Du coup, c'est tout de suite moins cool. Ah, le petit bouton source qui vient nous faire coucou. Donc, désolé, il va falloir faire un petit coup de refresh. C'est bon, allez, dépêche-toi. Hurry up. Allez, bagne-toi, élan. Dans la voiture, hein, dans le genre RP, c'est pas le top non plus. Hein. Vu que la bagnole explose jamais, même quand elle est en flamme. Donc je rappelle, hein, pour tous ceux qui sont sur la chaîne, hein, que tout le jeu ne se passe pas au coffre de voiture. C'est juste que là, c'est tout ce qu'il me reste à faire pour guider le... faire un 90% et on se reprendra les 10% restants plus tard quand on aura récupéré le chien. Ouais, ça va. Ça me dit pas qu'il y en a deux autres qui viennent de le rejoindre. C'est pas le même. Non, c'est pas les mêmes. C'était la portière. Alors par contre, on peut pas faire des 360 assez rapidement
s'arrête presque automatiquement, et ça c'est très chiant, parce que du coup on se fait défoncer. Maintenant on va récupérer une insigne de capot. Alors hop, tu passes à côté et paf, leur pont, allez, sort de la voiture quoi. Le métal. Stay here. Something I gotta do. I don't care where you. Ornement de capot. Non, je veux pas le installer. Je vais le stocker. No. Il est pas beau en plus. J'aime bien ma tête de mort sur le capot. Ok, donc ça c'est fait. Bon, bah. Tac. Alors, voyons voir, j'ai déverrouillé deux autres trucs sur le trajet, c'était ça. Tac. Wow, ok. Commence bien. Meurs, charogne. Hop, un petit surin, ça m'en fait trois. Par contre, c'est marrant de booster les stats du perso, mais en fait, je vois pas trop la différence de gain sur ce que tu ramasses. Ou alors, ça doit pas être flagrant. Tu boostes et puis ça doit peut-être être deux morceaux de métal supplémentaires. Je sais pas, c'est un peu space. Alors. On se demande où il trouve sa viande. On dira rien. People like their field and throughout the rest. Ok, bon, alors ça c'est bon, c'est full, ça fait un petit 100% en plus. Une autre décharge à fouiller. Par contre, il vous bouffe les verres de décomposition, la pâte des courchiens à sa place, choisit de mourir dauphin. Eh, le problème c'est que. Bon, alors j'ai jamais testé, hein, je vais tout de suite, mais généralement c'est ce que tout le monde se dit. Mais tu sais, l'instinct de survie, quand il se met en route, je peux te dire que t'es prêt à bouffer n'importe quoi pour survivre. Et effectivement, à la fin, tu fais plus la différence. La manchette du diable. Yep, une carrosserie de voiture, je la veux. Allez, normalement je peux la prendre, non? Oh, c'est bizarre ça, d'habitude je peux. Quand tu trouves des carrosseries comme ça, tu peux... Et je veux pas prendre l'arme. Ah, prendre le butin. Voilà.
prendre la ferraille. Non, c'est tout. Pas cool. Come on, boys! He's still standing. Cut him dry. Par contre, le mode fureur, on voit bien le... On voit bien la durée demandée, et ça c'est plaisant. Merci Arthur Hutch pour ton follow, bienvenue à toi. Donc j'ai pas encore vraiment vu de différence, hein. Je l'ai dit il y a pas 30 secondes, mais j'ai pas encore vu de grande différence avec les stats de mise. Je sais pas, on verra ce qu'il en est après. Peut-être que ça se ressentira mieux plus tard. Je sais pas. Oh le salaud quoi. Tu sais que je t'aime chérie, j'aime les enfants, mais bon c'est une question de survie, faut que je me barre. Salut à plus. Le bon bourrin. Alors ça par contre on voit gros la différence au niveau des capacités de Max, c'est que quand on augmente la récupération de flotte ou la récupération de munitions, ça on voit par contre la grosse différence. Et c'est plutôt pas mal. Ça aide beaucoup. Parce que déjà qu'on peut pas. Pardon. On peut pas stocker énormément de munitions, c'est toujours mieux de pouvoir en récupérer un max, c'est le cas de le dire. Spi, pour moi, le stream a des freezes, tu sais pourquoi? Bah attends, je vais regarder. Ouais, moi aussi, j'aimais bien la carrosserie du hangar, je la trouvais plutôt classe. Bah écoute, non, ça s'est calmé hein, au niveau du bitrate, donc je sais pas pourquoi tu as des petits lags. Essaye de refresh la page ou de baisser la qualité du stream via le bouton source, bien que je stream pas en super grosse qualité, ça pourra peut-être t'aider. Alors j'ai le bitrate qui monte et qui descend, qui est pas stable du tout aujourd'hui. Je sais pas trop pourquoi. De toute façon, on ira récupérer toutes les carrosseries, on ira récupérer toutes les bagnoles. Mais ça se fera après, parce qu'en fait, ça sera de la course pure et dure où il faudra après sortir les mecs de la voiture sans détruire la voiture pour après la ramener. Avec nous. D'accord, ok, bon, ça c'était un petit tour cadeau. Et je pensais pouvoir la prendre cette titine là. D'habitude on peut. Alors ah oui d'accord, ok, c'est pas une carrosserie en fait, c'est une voiture en reconstruction. C'est pas pareil. Tu peux. Tu trouves des carrosseries. T'as des freezes toi Hydro sur mon stream, des lags ou des trucs dans le genre. Parce que moi apparemment sur mon stream je vois que ça va. Donc ici c'est bon, c'est fait, là on a tout fait, il y a juste ça par contre, faut que j'aille voir, je sais pas ce que c'est. Ça fait déjà deux fois que je croise un truc comme ça. De toute façon je changerai la carrosserie de ma bagnole, je mets une cox. Je trouve que c'est cool. Peut-être au-dessus.
the old headlight of thirst. D'accord, ok. Alors le mec il doit être, là il me l'affiche en dessous, mais je pense qu'il doit être au-dessus sur le pont, donc ça on peut pas faire pour l'instant. Objectif de rencontre légende, détruire toutes les tanières de vautours dans le désert blanc. Donc ça, ça doit être le désert blanc, et bah, il me semble que j'ai tout détruit, il ne reste que les champs de mines. Donc là, champs de mines, champs de mines, champs de mines. Ok, bon. Ça c'est pareil, détruire toutes les tanières de vautours. Il me semble que j'ai déjà tout détruit ici. D'accord, frise occasionnelle. Alors attends, je vais... Ah bah oui, j'ai... Qu'est-ce qui se passe là? Et non, mais j'ai le bitrate qui commence à remonter en flèche. Là, je suis à 7% de drop. Salut Corben, salut, salut, comment vas-tu? Bon, ça a l'air de se calmer. Faudra attendre un petit peu. Eh ouais, je sais, ouais, mais j'ai reboot la box. Hein. J'ai tout refait, tout nickel et tout. Mais de temps en temps, je sais pas pourquoi, j'ai le bitrate qui s'affole comme ça. Donc ici, c'est bon, j'ai tout fait. Ah non, il reste encore celui. Ah voilà, il reste ce territoire-là à faire de notre ami Chet. Ça va, tranquillou. Bah écoute, Mad Max, vraiment nickel, quoi. Moi, perso, un vrai petit bonheur. Un vrai kiff. Donc là, on vient de trouver un mec, apparemment, qu'on ne pourra voir que quand on aura fini de réduire le taux de menace jusqu'à zéro. Donc c'est parti pour le territoire d'après. Et moi, bah écoute, ça va, hein, tranquille. Ça va se calmer. Ah. C'est quoi? Ah oui, d'accord, ok, je me disais, c'est normal, c'est des nouveaux, ça on ira voir ça, de toute façon on ira faire le tour après. Là, il y a du snipe. Je vais avoir une petite lunette, essayer de m'accrocher là. Ah, là, je crois qu'il y a une tempête de sable. Puis je vais en plein dedans. Long shot stalk this region, Saint. Be on guard. Il est où? Un mec qui vient de me rentrer dedans. Toi tu sors ta voiture toi. Ça suffit oui. Elle est loin la forteresse là. Pourquoi elle est si loin la forteresse? J'aurais bien aimé ramener la voiture. En plus c'est une carrosserie de coque, c'est tout. Raté. As you wish. Hurry back.
place is prime pickings for raiders, vultures, scavengers, murderers. Hop, alors, on a déjà fouillé ça, il en reste encore un. Hop, la bouffe. Ça m'intéresse pas pour l'instant. Hop, voilà, c'est là-haut. Oh, des balles, ça par contre ça m'intéresse. J'ai pas fait gaffe à ce qu'il me restait en. Ah, là, je crois que ça s'appelle une tempête de sable. Plutôt efficace les tempêtes de sable. Non, c'était pas par là que je suis rentré, c'était par là. Je viens de me faire éjecter tel un mouchoir. Ah bah non, du coup les munitions elles sont parties. Ah, ça c'est moins cool par contre. C'est beaucoup moins cool. Alors, voyons voir ce qu'on peut voir. Vous devez... Ah, d'accord, ok, elle est retenue. D'accord, ok, en plus, moi, je suis en train de bouffer l'essence. Ah, elle est là, ma bagnole. Ok, ça c'est bon, c'est fait. Ah, mais c'est pas possible que j'utilise deux fois jamais le bon, quoi. Ah, et puis j'ai pas ouvert l'échelle, c'est dommage. Bon, bah on va ouvrir l'échelle. Oh non. Alors, voyons voir. Alors, c'est parti. Sniper. Bon, ça, je suis passé devant, ok. Ok, alors j'ai reçu un petit message Steam. On va aller voir ça une fois que j'aurai fini de faire le tour. Ok, je crois qu'on a fait le tour là. Ouais. On est revenu au point de départ. C'est cool. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Qui c'est qui m'envoie un petit message là?
Ok, pas de soucis, Hydro. Bah écoute, bonne nuit à toi. En tout cas, bah encore désolé et merci hein, d'être resté. Et à ce soir. Hein. À ce soir. Bon, bah vas-y, hein, si tu mets 15 jours à répondre à mon message aussi, hein, moi je vais pas faire que ça. D'accord. Ok. J'ai même pas sommeil là. Interdiction de relancer MGS. Je te connais, Loulou. Bon, laisse tomber, j'ai pas de réponse, donc. Renayou. Alors, bon, bah, on a découvert pas mal de trucs dans ce dernier camp là de Jet. D'ailleurs, c'est notre quête principale hein, ici. Elle est à la passe des terres arides. Donc, une fois qu'on aura fait ça, on pourra aller voir notre poteau ici, apparemment, là, pour un objectif de rencontre légende. Je sais pas encore trop à quoi ça correspond. Donc, on va aller. Et ben, on va visiter. Salut, Mamadi, comment vas-tu? Alors, tac, 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 on va faire quoi? Oh là 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 là, c'est un truc de fou. Alors. Aspi, t'as vu, est qualifié pour la finale Arc. Mais la finale c'était hier, je crois. Mais apparemment, je crois qu'ils ont gagné. Hein. Je crois qu'ils ont gagné XUTV. Bon, c'est un truc de fou ou quoi? Ouais, j'ai vu que XUTV était en finale ou a fait la finale. Ah, c'est à 20h ce soir. Bah écoute, franchement, je leur souhaite de gagner. Hein. Un petit chèque de 20 000 dols, c'est toujours bon à prendre. Hein. Donc, et bah, c'est parti, on va commencer par là. Alors. Salut Super Toto. Bon, le principal c'est qu'ils se soient qualifs après, à savoir quand. En tout cas c'est cool pour eux. C'est dommage que j'aime pas le PVP. Faudrait que j'essaye quand même un peu de PVP sur Arc, histoire de voir ce que ça donne. Le but c'est d'éradiquer le mal qui sévit dans ces terres apocalyptiques. Ah, franchement, moi je kiffe. Franchement, il est bien prenant comme jeu. On va suivre la quête principale après. Hein. Là, on a deux trois petits trucs à faire. Je vis de terrain par terrain. Je fais toute la map. Hein. C'est un run 100%. Je fais pas un rush quête principale.
Le chien, ben justement, je le cherche, il doit être à la grotte, ça on prend en revenant, on tout de suite. Il doit être dans le repère du début, j'y retournerai à la fin pour faire les missions de déminage un petit peu partout. En fait, ce sera les derniers pourcentages de jeu avec les courses qu'il y a, les courses de voitures qu'il y a un petit peu à gauche à droite. A priori, oui, il est en vie parce que t'en as besoin. Donc, baisse la qualité du stream, Toto. Ok, de l'eau, bah tiens, bouge pas, hop, se remettre full vie. Ok Toto, à plus, ciao ciao. Ah je sais, oui, mais ça sera ce que je ferai en dernier si tu veux le déminage. Et pour le déminage, il te faut le chien. Pour le déminage, il te faut le chien. Ah oui, merci Nayou, j'avais même pas fait gaffe, tu vois. Ça c'est cool. Salut Toto. Ok, alors de ce côté c'est fait. Ah tiens, ça par contre c'est cool. Ça c'est cool, ça par contre. On a bouclé un élément de projet. Alors je sais pas encore trop à quoi ça correspond. Je crois que c'est de l'aide aux forteresses. C'est pour ça que je fouille tout. Hein. Alors ensuite, attaque. Look, you're under. A war party coming. Déjà, on prendra moins le mou. Salut Gravitox. Reviens là, toi.
Mais c'est bon, t'es tombé de ta voiture. Ok, allez, vas-y, répare. Allez, répare. Do your thing. Salut Polochon, salut Chamzozo. Salut Zoro. Ça va, tranquillou, merci, et vous? Comment ça va bien? Ça y est, c'est bon, t'as réparé, on peut y aller là. Ah ouais, j'ai enfin mis quelques pics, ouais, j'ai réussi à débloquer les pics sur la team. Ça commence à être pas mal dans les combats de voitures, ça commence à faire mal. Mais là, ce qu'il me faudrait, c'est surtout le blindage, parce que la voiture, t'as l'impression qu'elle est faite en carton. Alors, on continue, tac, bah tiens, regarde, hop, on va faire un petit tour. Une aéromobile, elle est bonne. Bim! Bon, alors toi, si je t'ai déjà tout de suite. À toute Pix, bon après-midi à toi. Allez, mange toi aussi. Bon, bah, d'habitude, ça je le fais en fin de map, mais là, qui me passe devant. Sur la route, t'avances plus quoi. Alors on va récupérer ça. Comme ça, ça sera fait pour plus tard. Sors de ta voiture. Voilà. Ça, c'était du bon boulot, ça. Bon, la voiture, elle est un peu en vrac, mais j'ai quand même réussi. C'est le principal. J'aurais pas à courir tout le tour de la map comme tout à l'heure. C'est exactement ça qui est bouché. C'est tout dans la douceur et la tendresse. Hein.
FPS. Ah ouais, ça je la veux, ça, installée à l'avant. Elle est encore plus belle celle-là. Enfin, le mec il monte sur une bagnole en feu, il brûle pas. Pas de dégâts, rien. C'est normal. Complètement ignifugé le mec quoi. Ils sont où les gars là? Je vous ai entendu hurler. Allez, amenez-vous. J'ai envie de mettre des patates. He's just dreaming about killing. Stop fighting. Best way to go. Il est où? Voilà. C'est bon ça. Tiens. Il est pas mort encore. Ah si, ouais, il, voilà, pas de survivant, on en met où? Ah, ok, alors fouillons. C'est la même boîte que Batman. Je sais pas, non, mais il y a eu un. Ils ont eu pas mal de. Il y a un gameplay qui revient très régulièrement, hein, le gameplay des combats à la Batman. Il y a pas mal de choses au niveau de là des territoires avancés ou des choses comme ça qui reviennent sur le Seigneur des Anneaux. Enfin, l'ombre du Mordor, du moins, que j'ai run à 100%, donc du coup... qu'est-ce qu'on a récup ici? 3 morceaux de ferraille. Ben, y'a rien... ok, là-haut il n'y a rien. Ok. Bon, je vais encore galérer pour trouver les 3 morceaux de métal. À moins que ce soit peut-être plutôt par là. Non, ici il n'y a rien. Il n'y a rien non plus. Y'a pas une échelle là pour monter, un truc dans le genre là? Ok, alors voyons voir, on va aller faire un tour là-bas. C'est peut-être là-bas. Yep, en voilà. J'ai une classe de merde, un peu du temps de merde, des profs de merde, la totale. J'aimerais bien faire game over et recommencer. Excellent.
Ouais, mais t'as plus de continu, c'est pour ça. Salut Faco. Ah, des munitions, ça c'est cool. Bon, il en reste un. Bah, il est là-bas. C'est bon? C'est fini là? Yep, c'est fini. Alors, on enchaîne, on continue, on vide tout. Et Kamoucha qui retourne le couteau, tu sais. Donc hop. Je viens de voir ton stream car les avis sont super mitigés pour ce jeu. J'hésite à l'acheter sur One mais j'aimerais pas l'acheter 78 dans une. Je vais mettre 78 plus dans une dope, ouais, ça c'est pas faux. De ce que tu as vu pour le moment, tu en penses quoi? Bah écoute, si tu aimes le gameplay de Batman et si tu aimes le gameplay de l'ombre du Mordor, ça devrait te plaire au niveau gameplay, c'est bien de lire. Au niveau de l'histoire, bon, c'est assez basique, hein, c'est du Mad Max, hein. Bah, ça tombe beaucoup à quelque chose de très recherché. L'histoire, le but, c'est de d'éradiquer toute cette populace qui fout un peu le dawa dans les petites forteresses ou les pseudo-villes qui se sont reformées. Waouh, d'accord, ok. Rien que ça. Pas assez de puissance. Et donc, franchement, il est bien plaisant. Moi, je suis adepte des runs. Ah, mais vas-y, détruis la voiture. Moi, je suis adepte des runs 100%. Et franchement, je peux dire que c'est plutôt cool, quoi. J'aime beaucoup ce petit principe de gameplay, tu vois, hop, essayer de trouver des portes, tu montes un petit peu partout, tout fouiller, essayer de résoudre les problèmes de tout le monde. Voilà, en fait, t'es le mec bienveillant, mais en même temps, t'es le bon barbare. Salut Tizix. Mais bon, je pense que non, c'est un bon jeu à acheter. Maintenant, je peux pas me permettre de dire aux gens allez-y, achetez-le. Voilà, faites-vous une idée en regardant le stream, jetez un coup d'œil. Si vous êtes sur PC, profitez-en. Hein, vous avez mis un stand gaming dans la catégorie info, vous le trouverez à 20€. Donc, moi perso, je l'ai acheté 34. Faco, et là en ce moment il a même une super promo à 20€ sur un stand gaming, donc si vous avez la possibilité de le prendre sur PC, faites-lui plaisir. Bon. Ouais, moi aussi je sais faire le snipe, le loup. Salut Eliantrix. Et donc non, après, ce qui vaut l'argent et ce qui vaut 70€ sur console, franchement, je trouve que c'est pas mal. Ouais, ça vaut l'argent, il y a une bonne durée de vie. Là, j'en suis à peut-être 15 heures de jeu, j'ai pas fait grand chose. Je suis parti sur un run 100%, donc oui, il y a énormément d'heures de jeu dessus. Maintenant, il y a peut-être des jeux pour 70€ qui valent peut-être plus le coup. Ok, Kamouché, pas de soucis, bon courage pour le boulot, à tout à l'heure.
C'est pas possible, je reçois 200 et 200 messages. Quoi? Bon, on va peut-être y arriver à se traîner. Par contre, c'est bien, mais j'ai le vitrail qui s'enflamme à mort. Merci pour ton follow, Nomi the Viking. Bienvenue à toi. Salut, Wistiti. Ah, écoute, perso. Perso, non, mais bah, moi j'accroche bien, quoi. En attendant le... Il faut bien patienter. Ok, donc ça c'est bon, c'est fait. Tac. Le crack. Achetez les jeux, soutenez les développeurs, les mecs. Si vous êtes... Alors je comprends que sur console, ça coûte de l'oseille, mais... si vous avez la possibilité de jouer sur PC, allez-y, vous payez mon petit prix. Qui n'est pas un trou du cul. Je suis pas un adepte de Twitch, mais je tombe que sur des gamins. Quand j'y vais avec seul argument, le jeu est top, bien, il est chiant. non, c'est un bon jeu. Maintenant, je peux pas, comme je le dis, moi, chacun sa course, donc je peux pas. Je peux pas non plus. De me dire aux gens, allez-y, quoi, faut lâcher de l'oseille. Pour un jeu volé. Ah, la fameuse bataille. La fameuse bataille Kojima en panique. Alors j'avoue qu'il y a des gens qui veulent un petit peu boycotter ce que je peux comprendre. Hein. Ah, j'ai plus de balles! J'ai plus de balles! Allez, mais range ton temps ou toi aussi là? Mais c'est pas possible, je vais même pas m'en sortir là! Allez, où c'est-ce? Fuyons, mes amis, fuyons, la voiture elle est en flamme. Non, on l'écrase pas! Faut que je lui donne de l'eau. Bah, mais dis pas qu'il est mort. Some hard to get parts in the engine bay. J'adorais grave, mais quand j'ai appris déjà qu'ils allaient foutre un système anti-clé CD étrangère et un système pour bloquer le crack, là j'ai ragé un peu. Bah ouais. Après je sais pas. Je vois pas trop le. Ah, faut pas que je me prenne la balle, sinon je meurs. Bois, vite. Foufoufou, ils sont doués hein, les gars avec les snipes hein, quand même. Bon bah écoute, toi tu veux de l'eau, mais apparemment t'as dû mourir avec l'impact de la voiture. Oh là, mais les gars, ils sont super agaçants avec le snipe quoi. Les mecs, ils ont une portée de fou quoi. Wow!
parcourir le désert avec son chien et tuer du rousse, quoi de mieux. Et c'est bon, je suis tranquille là, je peux boire. De virer toutes les icônes et toutes les aides, tu parles de quoi sur le jeu? Non, je pense pas. Enfin, je vois pas quelle aide en fait. De quelle aide tu parles, Wistiti, mais peut-être, sûrement, j'ai pas regardé si on pouvait virer tout ce qui était ATH et compagnie. Paramètres, sous-titres, gamma, graphique, manette, audio. Non, apparemment non. On peut pas. Graphique. Détail, plein écran, ça on s'en fout. Non, y a pas. Du coup, attends, alors l'autre il est mort. Snipe, c'est un truc de fou! Bah alors? Bon, voilà, cette fois c'est moi qui vais y passer. Rien pour régène et voilà, c'est mort. Non, ça j'ai pas vu Wistiti, je viens de regarder et apparemment on peut pas virer tout ce qui est ATH et compagnie. Je fais un petit AFK bio, j'arrive. Baron's pass. The jaw? I need a recon. Alors, t'es pas loin de Petroville pour t'en prendre autant dans la gueule. Alors par contre, Nomi the Viking, le vocabulaire, c'est pas spécialement obligé. Comme ça, je suis pas adepte de trop de grossièreté. Et non, je suis très très loin de Petroville, c'est juste les camps qui sont très très bien défendus. Par contre, Faco, je sais pas, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait Tina Turner dans la BO du jeu, sachant que Tina Turner c'était le Mad Max 2 ou 3, je crois. Donc, du coup, je pense pas qu'il y ait un rapport. Ah bah ça après Wistiti perso je peux pas, j'ai regardé, je peux pas retirer la TH donc donc là dessus je pourrais pas, je pense pas que tu puisses retirer tout ce qui est indication
de loot à récupérer, ces choses comme ça. La voiture qui lance des mines. Non, je l'ai taxé, j'ai réussi à la taxer tout à l'heure, Tibi. Tiens, d'ailleurs, salut à toi. J'ai réussi à la taxer tout à l'heure, la voiture qui balance des mines, enfin hier, sur le run d'hier. Et du coup, je l'ai testé, c'est super bien. Faut que je trouve. De toute façon, j'ai pas encore ramené les voitures que je trouve à gauche à droite. Ça, je le ferai vraiment en fin de parcours. Je vais plutôt booster ma voiture. Il y aura peut-être un moyen justement de mettre des mines aussi. Je pense que les attributs qu'on peut mettre sur une voiture changent en fonction de la voiture en elle-même. Donc, je verrai ça au fur et à mesure. On verra vers la fin du jeu quand on aura plus de ferraille, qu'on saura quoi en faire. On verra pour se faire une voiture digne d'un Mad Max. Non, c'est vrai que quand t'es aux abords du camp, tu prends vraiment très très cher. Tu prends vraiment très cher. Après, sauf erreur de ma part, alors est-ce que c'est un GTA version Mad Max? Salut Ludo. Non, je pense pas. Enfin, de toute façon, après, perso, j'ai jamais joué à GTA parce que ça m'intéresse pas. Donc, je peux pas te dire si c'est un GTA version Mad Max. Juste, tout ce que je peux dire, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, que le gameplay, c'est un mélange de l'ombre du Mordor et de Batman. Un seul Mad Max, je crois que c'est le seul Mad Max récent du moins, ils ont pu le mettre comme clin d'œil aux anciens. Bah écoute, Faco, ouais, de toute façon c'est le seul jeu Mad Max qui est tiré du dernier film. Donc ouais, ils auraient pu faire des petits clins d'œil, effectivement, ça aurait pu être sympa. Donc quelle heure il est? Il est 14h avant qu'on se relance donc à la poursuite de cette chose là qui m'a dépopé. Le camp là, ce camp de fou. Je vais faire un petit AFK de 5 minutes, le temps d'aller me faire couler un petit kawa. Et ensuite on revient pour continuer à discuter de ce Mad Max. Moi perso je kiffe bien. Niveau graphisme, c'est super réussi. C'est vraiment digne d'un Mad Max, hein, de tout ce qui est apocalyptique, c'est plutôt génial. J'aime beaucoup, en tout cas c'est plutôt fun. Donc je vais vous abandonner 5 minutes, je vais me faire couler un petit café, et je reviens tout de suite. Donc n'hésitez pas à discuter entre vous, hein, il n'y a aucun souci. A tout de suite. Oh, here it comes! A mighty duster!
I owe you for not shutting me down. I didn't know you and the Dinky D was tight like that. Alors, re tout le monde, désolé de ce petit AFK. Salut Angel Joker, salut Jérémy. Merci Faco, au fait, pour ton follow, j'ai pas fait attention tout à l'heure. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai raté dans tout ça. Satané bitrail de fou. C'est très chiant. Salut Wartex. Donc ouais désolé hein, ma cafetière c'est une petite cafetière italienne donc faut pas être pressé pour le café. Alors, hop, c'est parti, du coup. On était parti ici.
T'as raté les fauches morts, très sympa, ils passent devant toi, ils font rien. Salut Tim, comment vas-tu? Bouffer la moitié de ton carburant. Ouais, c'est pas grave, j'ai mis les ah, là il y a une croix, ça veut dire que ça s'arrache. Bah écoute, moi tranquillou, tranquillou. Ouais, c'est pas grave, le carburant, regarde. De toute façon, il faut que j'en reprenne en plein parce que celui-là, il est presque vide, je crois. Voilà. Celui-là, il est vide. Hop. Allez. Voilà. Ah merde, oui, c'est vrai que j'avais besoin de ma voiture. Tiens, voilà. Ah oui, hein. J'ai pu faire qu'on puisse éteindre le moteur et accélérer au point mort. Alors tu peux accélérer en fait au point mort, t'es juste à bloquer le frein. Et tu peux le faire. Alors le frein en fait c'est la marche arrière, hein, tout simplement. Aspi, le seul territoire qui est pas clean à 100%. Dans le territoire de Jit, c'est celui du dessus, là où il y a la mâchoire, sinon tout le reste est à zéro de menace maintenant. Bah, c'est cool ça, c'est cool, moi je suis en train de le faire aussi, là il me reste un de menace à faire baisser. Il y a juste le déminage et les courses que je me garde pour plus tard, les courses tout simplement parce que je me ferai une voiture digne de ce nom, plus tard. Et du coup, voilà, on verra ça. On verra ça plus tard. Faut stocker pas mal de ferraille pour avoir une voiture vraiment, vraiment potable. Donc, du coup. Hop, alors ça c'est fait et on continue. Yarn. Alors par contre, c'est dommage, c'est qu'il n'y a pas une touche frein. Ouais, belle voiture, ouais, j'ai trouvé que la carrosserie était plutôt sympa. La couleur, j'ai mis un gris basique, plutôt cool aussi. Mais je changerai la carrosserie pour une petite version, pour la version d'une Cox. J'aime bien la Cox. On sent. Hey. Salut Termtoutatix, bienvenue à toi, merci pour ton follow. Moi j'aime bien les faire sortir avec le harpon, mais apparemment il veut pas. Ah, raté! Voilà, sors ta voiture. Donc ça c'est pareil, hein, la récupération de voiture, ça sera pour la fin, pour plus tard. Pour arriver vers la fin du game, on sortira les mecs de leur voiture à coups de harpon. Et on ramènera les voitures à la forteresse. Ça va, tranquillou, je te remercie.
Du coup, je m'y attaque et oui, les courses, je les fais pas maintenant. Mais les courses que tu fais avec les voitures, c'est deux voitures prédéfinies pour en débloquer certaines. Ouais, bah c'est pour ça, moi je ferai ça que à la fin. J'aime bien parce que à la fin du monde, il y a presque plus de pétrole, mais les voitures consomment énormément. Hey! Tiens! Tu l'as mangé ta mâchoire là? Ouais, il y a que cette vue, ouais. Il y a que vue à la troisième personne. Hop, un petit jerrycan d'essence, ça fait toujours plaisir. On va aller stocker ça dans la voiture. Oui. Salut Xeno Sky Black. Je suis sur PC, effectivement, c'est marqué dans le titre. Hop, voilà, on a stocké. Tac. Un petit peu des gasolines. Alors maintenant, il faut trouver l'entrée de quelque chose. Il faut trouver les. Ah oui, dans la voiture, oui. Moi, je croyais que tu parlais de la vue. Non, même pas, la vue à la première personne. Je sais pas, il me semble avoir appuyé sur toutes les touches. J'ai pas vu de vue à la première. Faudra que j'essaye, tiens, j'ai pas essayé. De toute façon, je suis pas adepte de la vue à la première personne au niveau course de bagnole. J'adore comment il leur pète les bras, quoi. Hippo! Ça, c'est un méga suplex. Broyage de nuque. J'en ai pensé quoi de One Piece Pirate Warrior? Génial. Vraiment excellent pour un beat'em all quand t'as envie de te défouler. C'est un petit kiff, quoi. Moi, j'ai bien aimé. Je l'ai fini il y a pas longtemps. Alors, attention, celui-là, je l'ai pas encore fini à 100%. J'ai juste fait l'histoire en mode principal un petit peu à l'arrache. Enfin, un petit peu à l'arrache, même pas à l'arrache, hein. J'ai suivi le délire. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on débloque les... J'ai beaucoup aimé le fait de débloquer les techniques de Luffy au fur et à mesure de l'histoire, exactement comme dans l'anime ou dans le manga. J'ai vraiment trouvé ça génial. Bim, brise mâchoire. Alors, il y a des petits freezes, je sais, c'est la co, j'arrive pas à avoir de stabilité au niveau du bitrate. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien touché, tout marche bien, j'ai reboot ma box. Je sais pas pourquoi. Ça fait que monter. J'espère que ça va se calmer. Voilà. Ça veut pas. Donc vraiment navré pour les petits freeze ou les petits lags. Alors, il demande pas beaucoup, hein, XenoSky, il demande pas énormément de config, hein, One Piece. Hein. Salut Wistiti, merci, toi aussi, bon après-midi à toi, ciao. Salut Akuma, ça va, tranquillou, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Alors, donc ça c'est bon, c'est fait à 100%, on va continuer. Hein. Et on va suivre le cours de l'histoire principale, parce que du coup on va arriver dans la... Merci Akuma pour ton follow, bienvenue à toi. On va suivre la quête principale vu qu'on a bientôt des désertifiés tous les terrains. Vu que je fais un run 100% dès le début et non pas en revenant sur mes pas, la quête principale sera, je dirais, plutôt longue à s'enchaîner. Donc ne m'en voulez pas trop. Mais au moins, vous aurez eu, pour ceux qui me suivront jusqu'à la fin de l'aventure, vous aurez eu le plaisir de pouvoir découvrir vraiment l'intégralité du jeu. Et ça, je trouve ça plutôt fun, en fait, aussi bien pour moi que pour vous.
Moi, avec ma GT740M, je galère. Alors, toi, déjà, t'es sur un PC portable et au niveau des séries M, je m'y connais pas du tout. Donc, je peux même pas dire si c'est un bon modèle ou pas un bon modèle. Moi, perso, je conseille pas du tout les PC portables en tant que PC gamer. Tout simplement parce que même si à la base il y a quelques marques comme Asus et Alienware qui font des très très bons PC portables gaming, il y a toujours le même gros souci, c'est le refroidissement quand t'es vraiment un gamer pur où tu passes 12 à 15 heures sur ton PC. Les PC portables ils sont pas du tout étudiés pour quoi. Donc bien sûr je parle quand tu joues sur des jeux récents ou assez puissants. C'est qui ça? Qu'est-ce que tu veux toi? Donc toi t'es un méchant toi. Attends. Tiens. Ça lag quand il y a trop d'ennemis, ouais c'est le gros souci. Hein. Et puis bah sur One Piece, hein, vu que c'est un beat'em all, le nombre d'ennemis est assez assez violent quand même. Oh, these metal monsters, scarecrows, the region is thick with them. Ok. Attention, il y a Gollum. Mais pourquoi tout le monde l'assimile à Gollum? Le mec, c'est un bossu. Je sais pas. Alors, effectivement, il a vraiment une sale tronche. Mais pas de soucis, Ludo. Merci. Bon après-midi à toi. Ciao, ciao. Non, Akuma, le live vient pas de commencer. Hein. Bon, aujourd'hui, il a commencé un peu plus tard que prévu, parce que d'habitude, je commence à stream à 10h. Et là, j'ai eu un petit souci de réveil ce matin, donc Hydro7, mon ami et collègue streamer, qui stream aussi sur la chaîne, a streamé du MGS jusqu'à midi et des brouettes. Donc voilà, non, et puis il y en a jusque 19h ce soir du Mad Max. Quasi Molum. Ouais, je connais pas cette marque-là. Moi je suis chez GTX en fait. Je suis chez Nvidia depuis un bon moment, il est où ce snipe? Tiens. Par contre, s'il y a des gens qui peuvent répondre à Xenon, allez-y, si vous connaissez la marque de carte graphique qui l'explose là. Parce que là, perso, moi je connais pas du tout. Donc, wow! J'ai pas fait gaffe qu'il y avait un snipe ici, elle est où l'échelle? Forcément une échelle pour monter voir mon pote sniper là, non? Y'a rien? Non? Oh, c'est abusé! Bon, bah je vais utiliser une balle de fusil à pompe, t'es où? Couché! Normalement, il n'y a pas de freeze. Bon, par contre, c'est bizarre. Normalement, il n'y a rien pour monter là. Et lui, il est arrivé en haut comment? Qu'est-ce que c'est que ces gugus? J'entends des gus parler depuis tout à l'heure. Ah, il y en a un en haut.
Y a forcément une échelle quelque part, un truc pour monter. C'est où? Come closer. Là, y a pas d'échelle. Oh, là peut-être. Non, là non plus. Tiens, c'est bizarre ça. Surtout qu'il y a un truc en haut à récup. Come here. Not the best you can do. Bon. Par où on monte? Pas moyen que je laisse un mec en vie. Je tue tout le monde. Oh yeah. I was just dreaming about killing. Ah bah c'est là, voilà. Je suis passé devant. Ah. Ah, en plus il y a des munitions. J'ai besoin de munitions, surtout des balles de snipe. Yes, deux balles de snipe, ça sera toujours bon à prendre. L'arme, on s'en fout. Ah voilà, là tout de suite, là ça parle un peu mieux là. Alors ok, ça c'est bon, c'est fait. Alors ça c'est les camps. Les camps, on va les laisser pour plus tard. On va déjà finir ça. Il faudrait que je le remette moi mon water cooling, mais ça m'embête parce que du coup j'ai une 960, mais elle est encastrée sous plastique. Du coup si je la démonte elle est plus sous garantie, donc il va falloir que j'attende de la qu'elle soit plus sous garantie avant de pouvoir la mettre sous water cooling. No, don't slay me. I mean to run away. Leslingers will protect their jaw until they die. You want to live? Shoot first. Ok. Alors, ça c'est la quête principale, donc ça on verra en dernier. It carries a great and powerful artifact. Ah, tiens, là il y a la course poursuite, il faudra que je fasse après. Ouais Akuma, j'ai une chaîne YouTube, c'est dans la catégorie info, t'as le lien, ou sinon t'as la commande directement YouTube avec un point d'exclamation avant. T'auras l'adresse. Il faut que je fasse un petit peu le ménage sur la chaîne YouTube, là, des vidéos entre guillemets qui servent à rien. Et il faut que je fasse un peu de place. Don't stray. Of course I will. If you have to leave me here. Non mais je crois que la voiture de ton pote est... Allez, descends de ta caisse toi. Descends de ta caisse, sinon je t'y fais descendre à coup de fusil à pompe. Bah oui, t'as raison, tiens, t'as qu'à tirer dans le vide. Voilà, tu vois quand tu veux, tu peux descendre. Donc on va éviter par contre de s'approcher trop de là-bas là, parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs qui balançaient des flammes là. Ça fait super mal. Faut que je trouve de la flotte aussi.
Ouais, bien sûr que je garde ma 960, faudra juste que j'en achète une deuxième pour faire un slide, mais sinon, à part ça, oui, bien sûr que je garde ma... Bien sûr que je garde ma 960, elle est très bien, la 960. La preuve, c'est que je peux faire tourner les jeux en ultra, donc... Le seul truc, c'est que c'est une 2 Go, quoi. J'avais pas les moyens de prendre la 4 Go, donc du coup, je me suis contenté d'une 2 Go. Ça, j'aime bien ça, c'est bon. Reterme. Un petit surin, on récupère. Tu maintenant mon fan. Oula. J'ai pas trop compris ta phrase, Akuma. Ouais, ça bug, ouais, je sais, mais je sais pas pourquoi j'ai le bitrate qui tient pas, il fait que ça monte, descend. Voilà, bah là c'est pareil, là j'ai des pertes de frames en fait. D'habitude j'ai pas autant que ça, et là je sais pas pourquoi j'ai. C'est complètement n'importe quoi. Je comprends pas. D'habitude ça. J'ai pas autant de pertes d'image. Voilà, j'ai beau le baisser pour essayer de gratter, et en fait j'ai l'impression que c'est pire, alors. Je suis vraiment navré pour ces petits lags, ces petits freezes. Non, pas encore le V8. Tu es maintenant mon fan. Dans l'autre sens peut-être. Tu es mon fan à moi. Tout à Tix. Ok, tout à Tix. Pas de soucis. Non, pas encore le V8, je l'ai pas débloqué. Donc voilà, bah c'est bien, j'ai beau jouer avec le bitrate, c'est toujours pareil, ça tient pas, ça fait que monter, je comprends pas pourquoi. Alors, je vais voir en fermant 2-3 trucs si ça peut aider, ça, j'ai pas grand chose à fermer non plus. Je peux pas faire grand chose de plus que ce que j'ai fait là, mais ça fait que monter tout le temps, je sais pas pourquoi. Alors hier c'était très bien, sauf que j'arrêtais pas de planter, là aujourd'hui je plante pas, mais du coup y a pas de stabilité, c'est très très chiant. Après, tout à Tix, j'enchaîne en fait, je fais tous les territoires à 100% et ensuite je continue en fait sur la trame principale. Là j'essaye de réduire un petit peu les drops d'images, mais c'est pas gagné quoi. C'est pas gagné, ouais, enfin c'est mieux, c'est parce que je bouge pas en fait. Tout à Tix, c'est pour ça, mais dès que je vais recommencer à bouger, ça va pas aller, donc il faut attendre que ça se calme. Je peux pas... À mon grand regret, je peux pas faire mieux. Mon prochain achat sera la fibre. Faut que je me prenne la fibre. Comme ça, je pourrai proposer du contenu HD. Et en même temps, essayer de régler ce problème-là. Parce que franchement, c'est misérable. C'est complètement misérable. Alors, 2 et 1. Ici, y a rien.
Bah, je sais que c'est pas grave, mais ça m'embête un peu, moi, de balancer du stream et que ça freeze, que ça lag, ces choses-là, moi, perso, ça me gonfle un peu. Et je sais que bah, vous aussi, au bout d'un moment, c'est un peu lassant, quoi. On va pas se leurrer, hein. Mazout. Oh, ça devrait se calmer, hein, de toute façon, au bout d'un moment, ça va revenir à la normale. Ok, donc ça c'est cool, c'est fait. Ok, tout est X. Je sais pas si ça va aider, mais... Alors, hop. Ah, vieille manette. Salut Matou. Ah bah oui. Ah, vas-y. Détruis ta voiture tout seul. Ça va plus vite, hein. Oh, something about this place makes my hair stand up. Ouais, ça frise à mort. C'est pas agréable du tout, je suis vraiment navré. Vraiment navré, ça ne fait que monter, c'est un truc de grand psychopathe. Wow. La cam qui se barre aussi, c'est pas génial. Ok, donc il reste encore une ferraille à ramasser, ça sera à 100%, tranquille. Encore un. Juste que je la trouve. Ouais, voilà, elle est là. Hop. Ici, il y a quoi? Rien. Même pas un peu de balle, quoi. Ouais, toujours Matou, moi c'est j'ai pas de console, donc c'est que sur PC, quoi. À mon grand regret pour l'instant. Allez, oh, ma titine. Allez, alors, ok, ça c'est bon, tac, on enchaîne.
Il y a un snipe. Ok, ok, bon appétit, Akuma. À tout à l'heure. That long shot will regret slinging lead at us. À stocker la ferraille hein, qui sert vraiment à énormément de trucs. Donc vraiment tout ramasser max le plus possible. Donc dans pas longtemps, principal je vois pas, tu vas faire les missions. Ouais. Ah ouais d'accord, tu blagues pas toi. Eh ouais les gars, vous m'aurez pas comme ça. Eh, tu m'échapperas pas toi. Non mais en fait tu utilises le harpon, tu les fais sortir de leur voiture quoi, par le pare-brise, les portes, tout ce que tu veux, et ça c'est plutôt fun en fait. Parce qu'une fois qu'ils sont plus dans leur voiture, bah t'es tranquille. Alors 2400 pièces de ferraille, ça c'est plutôt pas mal. On verra après pour continuer à booster la... Tu vas ramasser au max. Et ouais, il faut de toute façon. Alors ici, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste pas grand-chose en fait. Attends, il y a ça déjà. On va aller voir ça. Et là, on change de zone, si je ne m'abuse. Et oui, on change de zone. Donc ça sera pour plus tard. Donc, hop, tac. Coucou, Calcifère, comment ça va? Ah tiens, encore une décharge, c'est pas vite. Wow. Tiens. Suffit, oui. Ok, c'est tout. Ah bah ouais, c'était tout. D'accord. Et de la bouffe qui va pas me servir. See the munchy maggots. Alors on a dit là-bas. Look at all the spikes! It'll rip the Magnum Opus to shreds! Ah,
Ah! Ah oui, il sort de la voiture. Là. Réussir à m'avoir. Hein. Ah bah voilà, c'est bon. Il est sorti de sa voiture. Big convoy support Castown. Oh, and the outpost with cars. Ok. Ok, ça c'est de l'essence. Elle répare la voiture là, et un petit peu en. Un petit peu en miettes. Faut dire ce qui est. Ah, je l'ai pas vu le film. Alors no spoil. Ouais, mais pour l'instant j'ai pas débloqué encore le blindage. Ouais, je joue à la manette tout est fixe. Alors, donc, il va nous rester deux camps à faire. Voilà, ouais, quand il n'y a plus personne aux commandes de la voiture, hein, tout de suite. Mais non, pas celle-là, intelligent, là. T'es un doué, toi. Voilà. Ouais, il faut que je le mate. Regarde le gars. Bah, de toute façon, je comprends, c'est pas, je veux dire, c'est pas trop compliqué à comprendre en Mad Max. C'est ultra basique, donc. Bah, ils sont sympas, les mecs, ils passent à côté. Bah, apparemment, des gens qui ont vu le film, ou quoi, les mecs, il y a pas de rapport avec le. Le jeu n'a pas de rapport avec le film. Je les ai tous vus, hein, les Mad Max, hein, sauf le dernier. Ouais, vivement que. Wow. Maintenir pour équiper le sniper. That shouldn't be a problem. Ah, non mais oh. Il y en a un autre là-bas.
reste combien de balles? Il n'y a plus de balles. C'est pas grave. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. We've seen you around, stranger. You the one they say sawed up Lord Scrotus. The bane of so many war boys. We best warn you then. See them pipes yonder? Go down that hatch and it'll be buzzing with hostiles inside. But there are other ways inside. Less dangerous. For those with the eye. Ok, réservoir des tubes lance-lames de chaque côté du camp, butin récupéré dans un conteneur, ouais, blablabla. Alors. Y'a pas de VF? Non, y'a pas de VF. Y'a que de la VO sous-titrée. Ouais, dommage, non, je trouve que ça colle mieux, quoi. T'inquiète, t'inquiète, je gère. Tu vas voir comment je m'y prends, moi. Salut Clotaire. Qui déchire ce jeu, bonne journée. Merci, toi aussi, bonne journée. Sympa d'être passé pour confirmer apparemment ce qu'on savait tous déjà. Donc voilà, déjà j'ai plus de sniper et plus de tourelle. Alors hop, c'est parti. Allez, on va faire le ménage. Ouais, hop, bon, ça déjà c'est fait. Il est là. Waouh! Ah, mais c'est typique, les mecs! Et je croyais qu'il y en avait plus. Oh, bah déjà, régène la vie. Hein. Oh là là, une gourde, heureusement que j'ai réussi à la booster un peu quand même la gourde, parce que là, du coup une gourde, une barre de vie quoi. Hey, c'est bon là, vous êtes calmés les mecs. On va pouvoir y aller là. Salut Drago. Bébé a un pyjama rose Barbie aujourd'hui. Eh oui, mais moi c'était hier. C'était hier. Ok, alors ça c'est fait. Alors ensuite. Alors hop, une petite échelle par là. On va déjà essayer de couper les petites flammes là. Ok, ça c'est bon. Alors. Des munitions. Ça. De toute façon, on reconnaît un peu le gameplay hein, à la Batman. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans celui-là? Une relique
4 emblèmes, 10 morceaux de métal. Ok. Il y a un peu d'eau aussi, non. On verra s'il y a un peu de flotte. Ça serait plutôt cool. Ok, ok. Bah, d'accord. Ici, il n'y a rien. Toujours bien d'explorer les endroits où il n'y a rien. Alors, hop, donc on va finir d'explorer en bas d'abord. Voilà. Jerrycan. Alors ça c'est des flammes. Non, il n'y a pas les flammes ici, ici, il y a des flammes. Alors, ici, il n'y a rien. Ok, jerrycan. Alors. Ouais, je sais qu'il y a des moments où ça frise, mais j'y peux rien. Je sais pas pourquoi j'ai le bitrate qui veut pas se calmer. Franchement, si je pouvais y faire quelque chose. Ce serait avec un grand plaisir que je le ferais, mais là, je sais pas pourquoi. Ok, bah là, je suis remonté par là où j'avais déjà fait. C'est bon ça. Une balle de snipe. Ouais, j'aimerais bien trouver plus de balles de snipe par contre. Parce que c'est un peu léger. Bon mais dis donc, elle est plutôt balèze. La forteresse là. On va finir par en haut. On passera par en bas après. Je suis 6e streamer francophone. Ben, c'est grâce à vous, hein. il faut voter sur le top streamer pour me faire monter. Je crois que je suis d'ailleurs le premier streamer français sur Mad Max, mais je suis pas sûr. Enfin, du moins, c'était le cas hier, je crois. Ah, de l'eau, ça par contre, ça m'intéresse. Après, ça recense uniquement que les streamers qui sont inscrits sur le top streamer, hein. Sinon ça marche pas. Alors attends, je vais essayer autrement, je vais essayer comme ça pour... Voilà, on va essayer comme ça. Ça baisse un peu la qualité graphique, mais... Ah, je suis 6e streamer français sur Mad Max, d'accord. Faut voter. Donc ça, on ira après. J'ai pas fait là-bas déjà.
Bon, c'est pas avec mes problèmes de call et freeze et compagnie que ça va, ça aide aussi. Ok, là y'a rien. Ouais, j'ai baissé la qualité graphique du jeu. C'est le gros problème de pas avoir la fibre, c'est que si je balance une qualité trop haute, ça aide pas à la co. Donc voilà, j'ai réduit en espérant que ça aide pour les freezes. Apparemment, c'est le cas, donc c'est cool. C'est cool. Oh yeah, I was just dreaming about killing. Alors, la boyeur... Hey! Ah bah voilà, Batmax en action. Ouais, avec 2-3 coups de fusil à pompe, ça aide. Donc désolé, hein, dans les phases d'action, faut attendre que le bitrate se stabilise, ça fait pas mal de lag, de freeze, de tout ce que vous voulez. Mais du coup, je pense que ça a aidé. Arrête, il était pas mal ce petit combat là, je me suis pas fait toucher trop souvent encore, ça va. Alors, est-ce qu'il y a du pétrole, de la gazonite, quelque part? Pardon. Là-bas, on va bien trouver un peu de pétrole. Je suis arrivé de là-bas, déjà on va monter par là. On va déjà voir ce que ça donne. On fera péter les trucs après. Bah voilà, un peu de gasoline. Merci. Ouais, d'accord, ça par contre c'est... Oh. Ah bah, t'en fais péter une, ça fait péter les deux, c'est cool. Alors donc, qu'est-ce qu'il nous reste à trouver? Il nous reste deux emblèmes et deux morceaux de métal. Alors par contre, c'est par là que j'ai pas été... Je crois que j'ai pas fini non plus de l'autre côté. Alors hop, un morceau de métal ici. On va tirer une emblème aussi, c'est cool. A été expédié votre date de livraison estimée jeudi 3 septembre. Ouais, mais je vois qu'en ce moment tu te fais plaisir, Nayu. T'as bien raison, t'as bien raison. Alors, donc, bah, c'était par là, hein, apparemment.
Ok, donc là je suis revenu à mon point de départ. Donc maintenant il faut que je trouve la dernière. Donc là c'est la sortie, d'accord. Donc hop, c'est reparti. Il me manque une ferraille et une emblème. Ok, donc ici, il n'y a rien. Ok. Bon, ici, il n'y a rien non plus. Là, c'était juste pour fermer ça. Pas d'emblème là-haut, non. Ok. Oui. Alors, ça c'est par là où je suis arrivé tout à l'heure. Là, il n'y a rien. Ok, donc là j'ai fait exploser ça. Là-haut c'était pour fermer le truc. Ah, attends. Ah, bah je crois que je la vois l'emblème. Alors j'ai trouvé l'emblème. Maintenant il me manque plus que le morceau de ferraille. L'emblème elle est là. Je suis passé devant. Ok, donc l'emblème c'est fait, ça c'est fait. Donc il me manque plus que ce morceau de métal. Ici c'est fait aussi. Oh, elle doit être enfin, elle doit être sous mon nez. Bah tiens, un petit peu de bouffe. C'est pour ça que je l'avais laissé d'ailleurs au passage. La bonne bouffe pour chien, c'est bon. Ah, effectivement, d'accord. Il va peut-être falloir que je booste un petit peu la récupération de nourriture quand je mange. Alors, ça, hop, on va faire un petit saut en bas, j'ai peut-être oublié en bas. Ici, il n'y a rien, ici, il n'y a rien, et ici, il n'y a rien, d'accord. Donc ça, c'est tout ramassé, c'est tout. Ok, là y a rien, là y a rien. Ici, y a rien. Là-haut, j'ai fermé. Là, y a de la flotte. Alors hop, je crois pas que j'ai utilisé tout. J'ai tout utilisé en flotte. On va faire ça. Salut Flashland. Ok, donc ça c'est cool. Donc ça résout toujours pas mon petit souci. Où est ce dernier morceau de ferraille? Il doit pas être loin, j'ai dû passer trois fois devant comme d'hab. Ça va, tranquillou, et toi, comment vas-tu? Donc là. Ok. Là, y a rien, d'accord. Donc à passer par là.
C'est marrant ça. Merci Scorp TV pour ton follow, bienvenue à toi. Ok, celui-là je l'ai ramassé. Ah. C'est quoi ce pont là? Je vois un pont. Ah oui, d'accord, mais oui, c'est un pont, mais je suis à... de retour à mon point de départ. Ça c'est moins cool ça. Ok. Oh bah tiens, déjà des munitions, je l'avais pas trouvé. Je les avais pas vus du moins. D'accord. Bon. Ça va, tranquillou. Je galère à trouver mon dernier morceau de métal là pour faire un clean à 100%. Ah bah voilà. Mitsuketa. Donc voilà, un petit 100% encore, ça c'est bien cool. La sortie, c'est par là. Hein. On est presque full flotte, on est full vie, c'est nickel. Allez, où ma titine? Allez, hop. Alors, tac. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans le coin? On a la course poursuite, ce que je vais faire tout de suite, parce qu'on bah, on est juste à côté. Il me restera donc la dernière station de pompage. Après, il faut que j'aille voir mon poteau ici, et après, on pourra donc continuer avec la quête principale. C'est bien cool. C'est bien cool. Alors, de quel côté ils vont être? Je sais pas dans quel sens ils tournent, les gars. Petit duel de bagnole! J'arrive à les trouver, bien sûr. Vivement un gros V8 là. Un truc qui crache des flammes de partout. Là. They roll with oil and cash to and from the outpost camps. Salut Boom. Et oui, maintenant elle marche. Bon, ils sont où les gars là? Soit je tombe dans le même sens qu'eux et du coup je les rattrape pas. Soit j'avance vraiment pas avec ma bagnole. Ouais, c'est bon, Angel Joker, j'ai trouvé, j'ai fini, à 100%.
Ok, le mec il vient de faire un tour complet, il a toujours vu personne. Ok, deuxième tentative. Dans l'autre sens. Si ça marche pas dans un sens, ça marchera dans l'autre. Ouais, ouais, je sais qu'une tempête de sable approche, mais là je cherche les mecs, ils sont où? Ils sont partis en vacances ou quoi? Ok. C'est ta participation, Totatix, quand tu discutes sur le chat, que tu t'investis au niveau des conversations, tu gagnes un petit peu de pex. Et du coup, voilà, tu prends des levels. C'est, on va dire, le petit mode RPG de la chaîne Aspirin Gaming. C'est bon, je les ai trouvés. Ok, pas de soucis, Calcifer. Faut que j'envoie les photos à Ray sur Skype. Wow, 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 wow. Bon, ça va, la voiture elle tient, c'est le principal. Bah, c'était pas grand chose, mais elle tient. Allez, Oust! Sors de ta voiture, toi. Tu sers à rien. Et boum! Allez, répare la voiture avant qu'elle explose. Keep the car safe. Yes, gladly. C'est bien qu'elle explosera jamais. Ok, ça c'est fait. Ouh, elle est belle celle-là. Et hop, à l'avant, direct. C'est la dernière fois que tu verras le spectacle blanc et t'as part pour le braquage de la banque, connard. Amuse-toi bien à te faire enfiler en tôle. Je crois qu'elle a pas été mise dedans. Tiens, là-bas il y a encore une voiture qui a explosé. Est-ce que par hasard il y aura encore un peu de métal? Ah,
rien du tout à part une voiture qui flambe. Mais non, le song request n'est pas activé, tout est X, pas sur Mad Max, quoi que je pourrais le mettre. Et en plus, non, c'est juste que sur ton premier truc, t'as oublié l'espace entre song request et ton mien. Mais j'ai pas activé le song request. Ok, donc ça c'est bon, c'est fait, donc il nous reste le dernier camp. Ensuite on pourra enquiller la quête principale. Et une fois qu'on aura fait ça, on ira booster un petit peu ses capacités et on verra pour booster un petit peu la voiture aussi. Avant de changer de territoire et d'enchaîner vers la suite. Voilà, sors de ta voiture quoi. Un peu de métal à récup moi. On peut vraiment pas se balader tranquille quoi. Non, pas mort, bah ouais. Il faut. C'est pas bien, ça coûte trop cher d'équiper sa voiture, quoi. Là, j'ai beau avoir 3000 plus de Spiel, promener, le bébé keeper. Pas de soucis, calcifère. Bah écoute, bon après-midi à toi, bonne bisous, ciao ciao. Ça coûte super trop cher. Ok. J'avais déjà fait le ménage ou quoi tout à l'heure? Je vois qu'il y a personne. Il me semblait qu'il y avait des snipers tout à l'heure. Space. Combien aussi, attends, combien il me reste de balles de snipe? Ah bah je suis plein, c'est cool ça. Revakuma. I gotta get into that camp. Ok, bon bah voilà, j'ai fait le tour. Alors attends, je vais quand même jeter un petit coup d'œil pour voir, mais bon bah les drops ça descend en fait gentiment. Ça prend du temps, mais ça descend tranquille. C'est trop chiant, les jantes à améliorer à fond, elles coûtent 1800 de ferraille. Bah ouais, ça coûte trop cher. Petite AFK bio, j'arrive.
I know for a fact that many items of great value were carried within that storm. If we entered it, we would be greatly rewarded. Bah c'est quoi? Rest in peace, c'est quoi le délire? Ok, ça doit être les bagnoles, je suppose que j'ai flambé dans ma voiture. Bon, bah ça c'est fait. Bande de salauds! Une tempête? Ah bon? Ouais, c'est vrai que les tempêtes elles sont assez violentes dans la région avec les éclairs et tout. Bon, bah voilà. C'est marrant, hein. D'habitude je mets en pause le jeu en plus. Exceptionnellement j'y vais sans mettre pause et voilà, je me fais des mobs direct. La blague. Bon bah du coup on va améliorer la voiture, on est au garage. Enfin c'est vrai que je peux le faire n'importe où mais... On va voir ce qu'on peut améliorer. Je dois avoir 3 ou 4 000 de métal, un truc comme ça. Heureusement on n'en perd pas. C'est trop fort parce qu'en fait, à chaque fois que je fais un AFK quelque chose, il m'arrive toujours quelque chose. Je fais un AFK café et les trois quarts du temps, il y a le stream qui plante et qui reboot tout seul. Là, je fais un AFK bio, j'ai une tempête, je meurs. Mais c'est un vrai bonheur, ce jeu. Ce truc de fou. Alors. Aspi poisse. Aspi pas de chance. C'est un truc de malade. Alors. They say that you are on your way to becoming a wasteland legend. C'est parti pour l'amélioration de la voiture. Ça c'est quoi? Aspillère. Ah, j'ai des. Ah non, c'était pas ça. Ah. Alors, on a déverrouillé quoi? Bracelet de force réduit de 30%, les dégâts subis après une parade ratée, les dégâts infligés par les contres et les désarmements, ça c'est cool ça. D'abord on booste le perso, hein. Ensuite on verra pour... bon ça c'est les têtes, alors, on a déverrouillé une de plus. Ah tiens, c'est pas mal celui avec les lunettes, mais c'est pas mon préféré. Ah, apparemment j'en ai déverrouillé un autre. Ah oui d'accord, c'est les mêmes avec les lunettes, ouais. Oh, comment c'est laid. Ouais, très bien comme ça, sans lunettes, sans rien.
Ça c'est les combos, mais j'ai pas envie de claquer, je sais pas combien de. Alors. Ok. Servez-vous d'un surin pour exécuter rapidement les ennemis coincés contre les murs. Ouais, mais bon, les surins, il en faut quoi. Ouais, ça c'est tout ce qui est à base de surin. Puissant mouvement qui peut fracasser les boucliers ennemis. Ok, j'ai pas vu de mec avec des boucliers pour l'instant. Inversion martiale. Ah, et ça c'est les suplexes de fou quoi. Non, je fais pas de vidéo GTA, j'accroche pas du tout GTA. Donc ça on s'en fout, le pied de biche on s'en fout, alors... Salut Marco. Ici. Mais c'est marrant, je me suis là, pourquoi tu me le changes? Je comprends pas. C'est celui-là que je veux. Blindage, toujours pas déverrouillé, moteur, rien de nouveau. Ça non plus. Ça non plus. Ouais, bah en gros j'ai rien déverrouillé quoi. Ok. Ça va me coûter trop cher. 900 direct. Mais bon. Ouais, t'es vraiment dans Need for Speed. Ouais, c'est un peu le. Ils ont récupéré un peu le principe. Je vais quand même prendre le harpon version supérieure. Ouais, ça m'aurait pas étonné que j'en déverrouille un autre. Temps de rechargement réduit de 50%, ça jaunit à fond. Alors, en gros, on n'a rien équipé et on a déjà bouffé 1500 quoi. Ça, c'est les ornements de capot. Ouais, la classe. Ça, c'est de la tête de mort. Élément, ça, on s'en fout. Donc, c'est parti. Donc moi j'en étais là. What treasure awaits? Voilà, c'est pas une rondelle la bagnole quoi. Dès qu'il y a une côte, elle veut rien savoir. C'est un truc de fou, pourtant je suis sur la route. Salut Big Pack. Bon, on va essayer de pas se prendre une tempête cette fois, ça serait plutôt pas mal. De toute façon, j'ai fait le ménage. Donc normalement, il n'y a plus rien. Il y a une liste de jeux et des jeux qui et des jeux qui ont été finis aussi sur la chaîne Akuma, dans la catégorie info. Hey, what's that? Hey! Stay. Guard the car. Alors, on va se trouver une petite entrée quelque part. Si on n'a pas, on dégagera ça à coup de harpon. Il y a toujours une entrée. Je fais un peu de tout sur la chaîne. Ah, ça annonce une entrée par là avec une échelle, un truc dans le genre. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un aboyeur dans le coin? Ouais,
ouais. Le pétage de genou, quoi. Oh, qu'est-ce que j'adore. C'est très très bon, ça. Série de 38 coups, ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal du tout. Et hop, tiens, on va faire péter ça. Mais non, pas par là. Non, c'est pas grave, on a un peu de chance. Ok, donc ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a à récup ici? Une relique, trois emblèmes, six ferrailles. Coucou Fab, ça va tranquillou et toi? La rentrée fait chier. Ça va, vous plaignez pas, dans un mois vous êtes en vacances les gars. Un mois et des bananes, vous êtes déjà en vacances quoi. Il faut s'instruire de toute façon. Pas tous. Ouais, mais toi, toi, c'est pas la rentrée scolaire, toi. Patate qui colle quoi, c'est un truc de fou. Yo State, donc il stream de nuit en décalage. Salut Baboon. Bah ce matin en fait il streamait pas à ma place, hein. Il stream de nuit normalement Hydro, mais c'est moi qui j'ai eu un petit souci avec mon réveil. Donc du coup, Hydro a continué jusqu'à temps que j'arrive. C'est pour ça que vous l'avez vu plus longtemps que d'habitude. Ok. Ça, on s'en fout. Là où il y a une enseigne, on va déjà finir de fouiller en bas. De toute façon, ça sera vite fouillé, il n'y a rien. Son Steam et données de jeu via Steam avaient été piratées. Ça arrive, mais de toute façon, même si on me pirate mon compte Steam, on pourra pas streamer sur la chaîne, donc à ce niveau-là, ça a pas spécialement de rapport. Donc ça va. Ok, deux emblèmes sur trois, ça c'est fait. Non, je t'ai pas supprimé de Steam, Baboon. Normalement, je t'ai pas supprimé de Steam, Loulou. J'ai été informé par Ray, comme quoi tu t'étais fait hacker et j'ai rien touché en fait, vu que j'étais en stream. Donc là, perso, je sais pas. Ah, Marco.
Ok, ça c'est bon, c'est fouillé. Blablabla. Hop, alors je suis monté. En bas, il n'y avait rien. Hop, on continue à monter. Non, c'est le contraire. Faut que je descende. Vu que j'arrive d'en haut. Ah oui, non mais... Ouais, j'ai cru que la porte allait m'empêcher de passer quoi. Ok, alors attends. Marco Matou, c'est un de mes modérateurs. Rotation. Je crois que c'est peut-être toi sur la photo, serait au fait. Merci de m'avoir piqué mon héritage. All that water seems wasteful now. Par où je suis à... Ah bah, il y en a une deuxième par là. Un peu de bouffe. Les bons verres. Ouais, j'ai fait pas mal de vidéos sur Ark, mais c'est pas le jeu que je stream par excellence. C'était le jeu du moment, donc j'ai fait énormément de streams. J'attendais les sorties. Alors attends, par contre, je ne sais plus par où je suis arrivé. Ça c'est. There's someone here for me to die! Ok. Hé, barre-toi de là. Alors par contre, oh, putain, mais il y a trop de portes en fait. C'est un truc de fou. Alors, un morceau de ferraille encore à trouver. Ça, je crois que c'est par là que je suis arrivé. Ouais, il me semble que c'est par là. Ouais, c'est ça, ok. Salut Altiel, comment vas-tu? Ok, Jerrican. Ah, d'accord, donc là ça pour faire péter. Il y a deux secondes j'ai vu un Jerrican là. Ça va, tranquille, boum! Bon, je vais déco du stream, Emco sur Ark, voir les dégâts qu'il a fait mon hacker. Bah, de toute façon, sur Ark, normalement, il n'y a pas les mots de passe, hein, donc il aurait pas dû. Il aurait pas, normalement, il n'a pas dû pouvoir se couper. Bah c'est nickel, c'est exactement ce que je voulais. C'est royal. C'est royal. Ok, bon bah on s'en va alors. Merci. Ah oui, les petits futons. Alors, la sortie. Il y a Baboon qui s'est fait hack son compte Steam hier. Apparemment, il a réglé le souci, donc a priori, ça devrait être cool.
Mais normalement, comme je l'ai dit, il aurait pas dû pouvoir se co sur sur Steam, hein, donc, enfin sur Arc en tout cas, du moins. Alors, donc il reste les lignes. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que normalement, territoire de Jet, il devrait être à 0. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? 100%. 100%. Ouais, j'ai fait tous les trucs à 100%, donc il devrait pas y rester quelque chose. Ça, c'est les courses, on verra ça plus tard. Ouais, je vais mettre tout sur YouTube, il faut juste que j'y arrive parce que j'ai un petit peu de mal à upload des vidéos en ce moment, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est Twitch ou YouTube, mais j'ai un refus d'accès à l'upload depuis quelques jours, ça dure, donc il faut que je vois pourquoi. Alors par contre, moi ça résout pas mon souci, est-ce que c'est les champs de mine en fait qui m'empêchent d'être à zéro? Parce que j'aimerais bien aller voir le poteau ici, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir les quêtes principales, et puis après, on ira déminer tout ça. Du coup, je voulais attendre, mais... ça doit être les champs de mine qui me... C'est mort. J'ai réussi à me... Je commence à faire une bonne communauté sur Twitch. C'est pas... Ok, merci Angel. Du coup, je vais pas passer sur YouTube. Je ne sais pas, je pense pas quand même. Ça, franchement, ça serait abusé. De toute façon, au cas où, sachez que vous pouvez retrouver quand même les replays pendant un mois sur Twitch hein, directement. Hein. Ah bon? Moi, si, moi ça le détecte bien, moi. Il y a que ma manette, il va falloir que je joue avec Mayu, parce que j'ai ma manette, là je comprends pas. Elle marche sur tous les jeux, mais sur... je peux pas jouer avec elle, c'est un peu chiant d'ailleurs. Ah ouais, je peux les avoir avec le long shot, ouais. Alors faudrait-il encore que j'ai des balles? Ça serait plutôt fun. Non, non, c'est pas une manette de Xbox. Keep your head down. I'm gonna take a look. Yes, yes, but please hurry back. This is very, very bad, bad terrain. Risky. Okay. Donc il va falloir que je me les fasse. Je sais pas pourquoi, ça marche très bien sur 90% de mes jeux. J'ai mis l'émulateur hier, il veut pas me l'apprendre sur Mad Max. Je l'ai encore réessayé ce matin, j'ai refait tous les réglages et tout. C'était tout nickel. Et j'ai lancé le jeu et en fait, je sais pas pourquoi il la reconnaît pas. C'est très chiant en fait. Someone's here! Munitions, ça c'est cool. Come over here and I'll wring that brain back from your neck, Spinner. Wow. Le sniper dans le coin. Use your car now, driver. Je sais même pas si j'ai récup des balles de snipe. Il est où? Il est là-haut. Pour l'avoir, ça va être... je sais pas si on peut voir ce que j'ai. Non, on peut pas voir ce qu'on a comme truc là. On peut rien voir du tout quoi en fait. Désolé, j'étais AFK, j'ai réussi à choper une PlayStation première du nom avec une déco Resident Evil plus FF9 pour 20€. T'as bien fait, Faco. Ça c'est bien un kiff quoi, la PS1, c'est génial. Si, Angel, j'ai vu que c'était les champs de mine.
J'ai bien vu. Nvidia qui va avec ma tablette et elle marche pas sur tous les jeux. Mais des fois il faut un émulateur de manette. Par contre je ne sais pas. Bah, le casque, bah moi c'est. Bah ça dépend, c'est un casque en USB ou c'est un casque en, en jack à l'ancienne. Parce que si c'est en jack, normalement il n'y a pas de raison qu'il ne t'apprenne pas. Enfin t'es pas obligé de sauter, voilà. C'est pas abusé ça, sans rire. Le mec il saute 3 étages d'un coup quoi. Bon bah du coup voilà, retour au point de départ. On lâchait tout, la PS1. Bah la PS1 il faut la choper sur eBay en espérant tomber sur un bon vendeur. Mais sur eBay tu peux trouver des gros packs style 50-60 jeux avec la console, 25 manettes, enfin tout ce qu'il faut pour je sais pas 30€. Ça vaut plus rien. Mais par contre, c'est vrai que moi aussi, si j'avais l'occasion de pouvoir me la reprendre, franchement, je me ferais plaisir avec avec les jeux à l'ancienne, quoi. Let's put an end to it. It's you. I can take you. Scrotus will reward me. Et elle est où ma voiture là? Ah non, bah elle est trop vieille, Big Pack. Je pense pas que tu la trouves à Micromania, même en d'occasion. Ouais, Cash Converters aussi. Ouais, enfin ils font des prix corrects, ils vont te la revendre 50 eux alors qu'ils vont payer 5€. Quoi. Ouais, le bon coin aussi. Bah si c'est un jack, Matou, normalement elle devrait être prise en compte. Hein. C'est bon, ah bah j'ai refait le plein de balles, c'est cool ça. The ragtag roadkill enter the bloody battle. C'est bizarre, j'étais pourtant sûr de qu'il y avait des snipers qui sont passés où. Où est-ce qu'ils sont passés ces snipes? Mais non, mais... Bon, il est où le snipe là? Je sais qu'il y en a un. Il y en a même deux. Des vlogs? C'est quoi ça, des vlogs sur la chaîne? Je vois pas trop ce que c'est, Akuma. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bah, je suis pas du tout au bon endroit. Je suis pas là où j'étais tout à l'heure. Juste pour terminer, Big Pack, c'est 25€ la console avec câble et une manette testée garantie un mois. Bah voilà, bah, ça c'est cool ça. C'est pas trop cher. Surtout quand elle est garantie encore un mois, c'est cool. Il y avait des snipes. Je sais pas où ils sont passés, c'est pas grave. Oh le doué, on est doué quoi.
Ok, bon, bon voilà. No surprises. Donc j'ai pas le choix, il faut que je me les fasse à l'ancienne. Alors avec les snipes en plus, ça va pas être génial. Ça sera une échelle au-dessus. J'ai vu des trucs à ramasser. Là, c'était des munitions. Wow! Et l'esquive, elle marche pas. Ah, tu joues moins ton malin. Tiens. Ok, alors il y avait des snipers. Je ne sais pas où ils sont passés, mais c'est pas grave. Moi ça m'arrange. Parce qu'ils font vraiment mal. Alors 2 sur 5, c'est parti, on explore tout là. Ok, donc ça c'est par là où je suis arrivé, j'ai cartonné tout le monde. Quoique, attends. Non, je suis arrivé par là. Donc il y a ça. Ici il n'y a rien. Ça semble propre. Hein. Alors, voyons voir par là, il y a quoi. Salut Gali. Salut, salut. De l'eau, bah on va faire le plein. Histoire amusante. Wars, famine, disease, murder, killed us all. Bah ouais, faut profiter hein, sur PC. Ouais, il y a 18 euros là en ce moment, 18 ou 20 euros. C'est vraiment, vraiment pas cher du tout. Ok, ouais, bon, bah là y'a rien. Ici y'a quoi? Bah y'a rien non plus. Ok. Oui, mais ça j'en viens. Alors, voyons voir. Hop. Maintenant on monte. J'ai pas trouvé beaucoup d'emblèmes là par contre. Il me faut quoi trouver là? Ah, y a pas d'emblème ici, d'accord. De ferraille, ok. De toute façon la quête principale c'est là-haut, donc c'est parti. Some preparation. Ok, 5 bagnoles.
Ok, moi ça c'est là où j'étais tout à l'heure. They have artillery. Ok. Moi tout à Tix. Ok, un snipe, deux snipes. Ok, bon ça on va faire le ménage avec mon snipe, j'ai récupéré des balles de toute façon, ça c'est cool. Bon bah c'est tout je crois. Donc par contre il me reste toujours deux blocs de métal à trouver là. J'ai pas trouvé. Faut que je trouve ça. The car needs more power and grip. It needs side armor and a grill to shield the nose. The hunchback can make it happen if I bring him the parts. Donc là, il m'en manque plus qu'un. Ouais, mais de toute façon, ça doit m'avoir débloqué maintenant le. Alors attends, par contre, il y a une échelle que j'ai pas vue. Il y a le morceau de métal qui doit être là-bas. Il fallait que je la débloque cette échelle. De toute façon, maintenant que j'ai avancé dans la quête principale, je pense que ça va me débloquer justement les améliorations de la voiture. Alors attends, il y avait une échelle que je devais débloquer. Où est-ce qu'elle était? Il n'y a rien. Il n'y a rien non plus. Et où est-ce qu'elle est l'échelle là? J'avais vu, mais. Ah, il est là le morceau de métal, mais. Ok. Là, elle est là l'échelle. Pour y aller. Ah, ok, ça y est, c'est bon, j'ai vu. Faut que je reparte là-bas. Allez! Celle-là, si tu pouvais savoir le nombre de fois où on me la sort. Alors, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Où est-ce que c'est? Ah, ça, je pense savoir où c'est. C'est là. De métal il est là. Yep, donc ça c'est bon 100%. Donc là il me reste pas beaucoup de métal par contre pour améliorer la bagnole, c'est pas grave, on va voir ce qu'on peut faire. Alors voyons voir. D'accord. Your plans for this car, building it up. You gotta do it before we can get past the jaw. These black fingers are ready to dance, Saint. Oh, yeah. And I know just the steps, too. It's called the Jack. A wasteland classic. We pull it off and our chances of survival grow tenfold. Then the harpoon? Soon, soon. But she needs the basics. Yes. First, huh? Débloquer le blindage. Agreed. Let's return to Jeets first, huh? Then I'll show you the plans. Yeah. Mission de l'histoire terminée. Je peux franchir la mâchoire pour atteindre, mais l'état actuel de la voiture, ce serait du suicide. Alors, direction la forteresse. Là. Thank you.
pas énormément de métal par contre, ça c'est moins cool. For the boom boom fields in this region. Mais non, les champs de boom boom, il n'y en a pas. Enfin, il y en a, mais ils sont pas ici. Ok. The vision of greatness, like some kind of shadow behind you, driver. You building some kind of legend. It is what it is. C'est tout? And it's all pretty bad. Okay. Used to be outside the walls with certain death. Now we can send out scouts. D'ailleurs, est-ce que je lui ai tout ramené, Annie? 2, 4, armurerie. Ah tiens, non, j'ai oublié celui-là. Livraison de ferraille. Ok, ça c'est bon, c'est fait. Ah non, 500. Ah, je lui ai pas fait ça. D'accord. Chien et buggy. Dinky dit. Ouais, mais ça c'est les lignes, d'accord. Soif de poudre. Ah, et livraison de ferraille. Ah, ça, il va falloir que je lui ramène des bagnoles. J'aurais dû le faire avant. C'est pas grave. Gather supplies and such again. Here it is, Saint. My plans for the Jack. Oh, she'll be perfect. Speed, power, tenacious durability. Take a look-see. Take a look-see. Ouais, Faco, j'ai pas de console. Donc oui, je stream que sur PC pour l'instant. Hein, les archanges comme et les Jack sont des magnum opus très puissantes, que tu me vénères. Pour commencer, accède aux archanges. Choisissez la catégorie archange. Ok. En sélectionnant cette catégorie, vous verrez les améliorations nécessaires. Le vert indique celles qui sont dans votre position, le rouge celles qui ne le sont pas. Choisissez les jacks pour connaître les conditions d'obtention des pièces nécessaires. Ok. Voilà. Bah quoi? Mission de l'histoire, classique des terres désolées, coup 100. Ok. Salut Brooks. J'ai toujours pas dormi. La rentrée, ça va. C'était bien. Bon bah c'est cool alors. Ouais, mais c'est vrai, je me doute que t'es un peu KO. Ok, alors apparemment il veut que j'installe celui-là. Et celui-là il veut celui-là, mais celui-là je peux pas. Pourquoi? Ok, ouais, bah ouais, mais bon, tu me modifies toute ma bagnole, là. C'est mignon, mais Ah, d'accord, ok. Ouh, elle est sympa, celle-là. Ça, c'est plutôt sympa, ça.
Épine au juste, épine du juste. Salut Alex. Ça coûte un, construit tout dans la forteresse, ça coûte pas de ferraille et ça te donne des bonus. Ouais, alors attends, construire tout, ouais. C'est bien. Et comment qu'on fait? Pour construire, c'est où? Faut parler à qui? Où est-ce qu'on construit? Et comment qu'on construit? On va voir le chef, d'accord? Si tu le dis. Stay away from him. He's a big driver. I wish I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? D'accord, ok, merci, Angel. C'est and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look. But no promises. Ah, d'accord, ok. Bon, bah voilà, suffisait de... Il suffisait juste de suivre l'histoire, en fait, pour savoir où c'était. Voilà, tout simplement. Les décharges sur le territoire de la forteresse ont été marquées sur la carte. Ok. La ferraille est récupérée automatiquement quand vous ne jouez pas. Une connexion en ligne est toutefois requise pour recevoir la ferraille. Ah bah ça par contre c'est cool ça. Bah ouais non mais c'est clair ouais. Ouais ben il fait 26 et des bananes en fait le Mad Max. Jet forteresse améliorée. Ouais, ok. Tales of you echo into other worlds. The forever time of dreams. Niveau de forteresse. Se développera et s'améliorera. Construisez tous les projets d'une forteresse pour voir, pour la voir dans toute sa splendeur. Ah oui, soif de poudre, ça j'ai pas fait encore, j'ai pas réussi. Il y en a encore. Le plein de la Magnum Opus est fait automatiquement quand vous entrez dans la forteresse royale. La santé de Max est automatiquement restaurée quand il rentre dans la forteresse, ça c'est cool. Via la ferraille, je ne sais pas encore Alex, je pense que oui, parce qu'il y a un truc qui s'appelle soif de poudre. Alors je sais pas si on peut crafter, mais peut-être peut-être retrouver plus de balles, ou avoir des indications où les trouver, ou ce genre de choses. Pour l'instant j'ai pas pu répondre à cette question, Alex. La gourde est automatiquement remplie dans la forteresse, mais c'est génial. C'est génial. La ferraille des véhicules ennemis détruits sur le territoire de la forteresse est automatiquement récupérée. Ouais, ça par contre c'est magnifique. Magnifique. Voilà, déjà ça ressemble à quelque chose, ça ressemble un peu plus à quelque chose, déjà la forteresse. Donc je crois qu'il m'en manque que deux, ou un seul, non, un seul, je crois, c'est la soif de poudre. Et la soif de poudre, je pense que la soif de poudre doit se débloquer avec, avec les mines, quand tu démines le terrain. Salut Golremix. Alors, eh mais c'est génial, hein. Du coup on va vraiment pouvoir faire ça à 100% quoi. Genre là déjà, ça je l'avais pas fait, ah mais il y en a plein que j'ai pas fait, ça c'est génial par contre. On va pouvoir tout explorer.
Mais c'est cool, c'est cool. C'est vraiment cool ça. Ça tombe bien, j'ai besoin de ferraille. Donc on va aller faire ça. Non, c'est une promo Altiel. Je pense que ça va remonter aux alentours de 20-25 euros, je pense. Eh, franchement, si j'avais pas dû. Alors, c'est pas un reproche, hein, mais si j'avais pas dû de stream en Day One Mad Max, j'aurais attendu le deuxième jour pour l'avoir 15 euros moins cher que ce que je l'ai acheté. Ça aurait été le top. Recall our companion, Saint, the Dinky D. Do you think he made it out of the inferno that was once my tabernacle? Went to crisp. Or food for somebody. No, I think he made it out, yeah? He's got a survival instinct, that little one, huh? Yeah. I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. Ah, Dinky D, ben voilà, il suffisait de continuer et de faire tout à 100% pour débloquer le chien, pour aller déminer tout le reste, c'est génial. Voilà pourquoi je kiffe faire les 100%, c'est le top. La mission des terres désolées sont facultatives et peuvent avoir été tuées dans n'importe quel ordre. Ok, nouvelle mission dans les terres désolées disponible auprès de Jet. Et alors du coup il est arrivé où Jet? Ouais, je l'ai eu plus cher sur Instant Gaming en précommande, je l'ai payé 30 euros, je crois, ou 32 euros. Et après, il y a eu une grosse baisse. Non, parce qu'en fait, les pré-sorties, le 4, c'est pour les consoles. Il sortira sur console que le 2 ou 3 jours après sur console. Always need ammo. Keep talking. There's something brewing out there. War boys from Gastown are tightening the noose fierce-like. I hear the new scroll just got his gumball sawed up by some wild deuce. Oui, mais Steam, c'est une plateforme PC, c'est pas next-gen. C'est sur les next-gen qu'il a annoncé trop quelques jours après. Our weapons won't do. I need powder. Black. Ouais, bien sûr, 32 euros, ça reste raisonnable. Mais bon, quand tu vois qu'il est à 18, ça fait toujours 14 euros de perte, quoi. J'aurais pu investir dans autre chose. C'est toujours pareil, hein, c'est quand on peut économiser. He sprang himself back here, told me a prisoner there knows the recipe for black power. You go get me this prisoner. Alive and talkative, and he tells me the specs for cooking up the powder. Voilà, on va pouvoir crafter les balles. Un chat veut libérer un prisonnier capable de fabriquer de la poudre qui est retenue par une bande de fauchements esclavagistes. Trouver la grotte qui leur sert de cachette et libérer le prisonnier. Et ben voilà! Il faudra aussi que tu fasses la mission que le chef te donne. Là, comme ça, tu pourras construire un projet qui va te redonner toutes tes munitions une fois que tu auras dans la forteresse. Bah ouais, c'est pour ça. C'est quoi mes prochains achats? Mes projets achats, à quel niveau? Au niveau des jeux, Paco? Ah, au niveau de ma config, changer de pros, changer de carte mère. Surtout là, 3 les écrans, parce que j'ai mon écran là, il commence à lutter de plus en plus pour s'allumer, donc j'aimerais bien pouvoir déjà en prendre un, et par la suite pouvoir en prendre 3, parce que j'en ai un peu marre d'avoir un bureau surchargé avec une télé, un ordi portable, plus tout le bordel qui va avec. Donc du coup, j'aimerais vraiment faire le truc pile poil PC. Sinon, après, ça sera PS4 parce que j'ai énormément joué à certaines exclus. Ça sera aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir. Je peux toujours pas, j'ai toujours pas déverrouillé le blindage, quoi. Non, mais abusé. Il y aura tout ce qu'il faut pour pouvoir stream de la PS4 passant via OBS. Parce que j'ai pas envie de passer via la PS en fait. Bah déjà il y a Until Dawn, il y a Bloodborne que j'ai pas fait, il y a d'autres exclus que j'aimerais bien faire, et puis surtout celle aussi à venir.
Donc moi ça serait bien cool. Bon, j'ai pas les moyens, alors forcément. Sinon, bah, à part ça, j'ai déjà eu mon super fauteuil. Merci, merci les viewers, grâce à vous, à tous ceux qui m'ont entre guillemets sponsorisé, c'est bien cool. Bah ouais, Angel. Une fois que l'un a visité, Mad Max peut activer le déplacement rapide vers cet endroit en utilisant la carte. Ok. Alors, camp, épouvantail, blablabla. Ouais, ok. Niveau de menace dans un territoire peut aller de 0 à 5.